Bonjour à tous, je m'appelle Julien Diot et certains d'entre vous me connaissent via le blog World Tour Outdoor Experience. Aujourd'hui, je vous présente mon dernier projet sous la marque Ambition Outdoor. Le véhicule utilitaire que vous voyez derrière moi a fait l'objet d'une réflexion poussée afin d'être compatible avec mes activités outdoor. Grâce à cet aménagement aussi minime que complet, je peux transporter et nettoyer rapidement et facilement ma moto et mon VTT tout en disposant moi-même d'un lit, d'une table et d'une douche. Toutefois, la nuit, un problème subsistait. Il m'arrivait souvent de me tromper de bouton pour activer la fonction désirée. C'est par hasard que je découvre le Raspberry Pi. Pas plus gros qu'une carte de crédit, ce nano-ordinateur permet d'interagir avec son environnement extérieur. En m'intéressant à ses aptitudes en domotique, je fais la connaissance de Valentin Carwesco, alias Idleman, et de son projet d'interface domotique Yana. Le but est osé. Sans connaissance en développement Linux, je souhaite piloter à la voix les fonctions de mon véhicule utilitaire sportif. Après 6 mois d'échanges soutenus avec les développeurs du projet Yana, voici le résultat. Alors c'est parti pour la démonstration. Donc tout d'abord, j'active la 4G afin de pouvoir utiliser les commandes vocales et j'active le point d'accès Wi-Fi de mon téléphone. Donc lorsque le Raspberry l'aura découvert, voilà, j'ai le petit message en bas. Maintenant, il me faut juste faire une petite manip rapide car elle n'a pas encore été intégrée de façon automatique. Voilà, donc ça permet d'utiliser Yana for All, qui est en fait l'interface Android de communication Yana. Voilà. Donc une fois connecté, j'ai accès à mes différentes commandes vocales disponibles que j'ai créées. Je peux déjà les sélectionner au clic, donc pour vous montrer un peu avec la lecture qui vient de s'allumer tout au fond. L'allumage principal que j'éteins également, j'éteins la lecture. Voilà, mais le plus important maintenant, c'est de vous montrer les commandes vocales. Yana allume principal. Hop là, et voilà, l'éclairage principal vient de s'allumer. Yana éteint principal. Hop là. Voilà, donc après, d'autres commandes vocales que j'aimerais vous montrer. Pour ouvrir le coffre, donc c'est le bruit qu'on vient d'entendre. Je peux aussi bien régler mes suspensions pneumatiques tout en dessous, ou encore lancer la douche. Voilà, donc pour lancer la douche, elle est là. Et c'est parti. Voilà, une douche magnifique, donc qui est programmée par l'automate.